analyse et réflexion. Existe-t-il des angles dans la nature ? Ah, existe-t-il des angles dans la nature ? Classe de CE2, qu'est-ce qu'ils répondent les élèves ? Oui. Non. Voir, tu es une excellente maîtresse. Bon, j'ai fait l'expérience. Hein. Oui, oui, okay. Donc, non. Ben non. Où c'est qu'il y a des angles ? Ben en géométrie. Oh, non. Alors, en assistant un petit peu. Ah oui, il y a aussi les angles des tables, etc. Oui, d'accord. Hein, bon, oh. Ben ouais, non, mais bon. C'était pas mes élèves à qui je l'ai fait avec une classe, je peux dire, c'était à La Rochelle. Hein, donc c'était, et là, c'était le CE2, c'était homogène, d'un coup, là. Ben non, il n'y a pas d'angle dans la nature. Voilà. Donc, mais enfin, d'un point de vue mathématique, ils n'ont pas forcément tort non plus. Hein. Donc, je leur affichais cette image. Et en cliquant dessus, j'ai fait apparaître ça. T'as vu la transition ? Et donc là, du coup, il se met à y avoir des angles, et on voit des angles partout. Après, évidemment, si tu travailles en mathématiques naturelles avec tes élèves, ils sont habitués depuis la maternelle à faire ça. Donc tu travailles peut-être comme ça. Voilà, donc il n'y a pas de mystère. Hein, mais dans une classe qui a travaillé avec un manuel standard depuis le CP, ils ne voient pas d'angles dans la nature. Voilà. Donc, tu vois, on peut connaître les enseignants rien qu'à partir d'une petite évaluation comme ça. Vous vous rappelez tout à l'heure avec le rapporteur, j'ai affiché des angles. Hein, et donc là, j'ai dessiné tous les angles. Donc le total ferait combien ? Combien fait le total des angles que j'ai indiqués ? 360. 360 ? Il n'y a pas d'autre réponse ? Personne ne me propose autre chose ? Ben, le total, si on additionne ça, ça fait 359. Pourquoi ? Parce qu'il y a des petites imprécisions de mesure, etc. Et donc ça fait 359. Donc ça, ça permet de repérer ceux qui sont bons en maths, qui savent qu'il y a un angle bout à 360 degrés, hein, et ceux qui sont bons en calcul mental, ceux qui trouvent 359, ceux qui sont mauvais en calcul mental, qui vont trouver 357, ou autre chose. Donc je connais la stratégie qu'ils ont utilisée pour le faire, et ça. Donc au départ, quand je l'ai fait, je pensais que ça ferait 360, et le fait qu'il y ait un degré d'écart, ça m'a permis justement d'avoir cette petite discussion, quoi. Voilà. Voir les traits tout à l'heure, c'était la photo et afficher les angles, on l'avait tout de suite. Pas la photo, le rapporteur. Attends, je te remets le rapporteur. Outil de géométrie, voilà. Donc le rapporteur. Il y a le compas aussi comme outil de géométrie, je ne vais pas montrer. Donc quand on clique dessus, on fait apparaître. Attends, je pas. Tout à l'heure, on fait apparaître un petit. Comment ? On est parti de l'image de la nature. Oui, 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 j'avais mis sur l'image de la nature, oui. J'avais mesuré sur l'image de la nature. Vous aviez posé le rapporteur sur la feuille. Voilà. Faire, ça. Non, je ne l'ai pas fait, mais je l'avais montré avant, quand j'avais montré le rapporteur. D'accord ? Ah, vous vous souvenez de ce qui s'est passé il y a une heure quand même. Hein. Ah ouais, hein. On vous a sélectionné quand même comme stagiaire parce que vous étiez brillant. Donc, allez pas non plus. Hein. Voilà. Et là, je peux éjecter la valeur de mon angle et en faire ce que je veux. D'accord ? Alors, un petit truc, si je ne veux pas avoir la valeur de l'angle affiché, parce que je veux que les élèves l'estiment, par exemple, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux la cacher. Comment ? Mettre un cache dessus. Un cache comment ? Ou... Un cache blanc ? Ouais, on peut faire ça. Donc, je me suis fabriqué un cache blanc, ça tombe bien. Donc, c'est un rectangle à bord arrondi, que le problème, c'est qu'il est blanc sur blanc, on ne voit pas, il est quelque part par là, hein, d'accord ? Donc, c'est une possibilité. Une autre. J'ai écrit quelle couleur ? Blanc. J'ai écrit blanc sur blanc. Et est-ce que vous savez comment je peux trouver exactement la couleur du fond ? Que si mon fond n'est pas blanc, si mon fond, par exemple, il est comme ça, par exemple. D'accord ? Si mon fond il est comme ça, pour retrouver la valeur, il faut retrouver pile cette image-là. Alors, il y a un outil qui est très pratique pour faire ça. Est-ce que vous le connaissez ? Donc, je vais sélectionner mon petit coloriage, là, et je vais utiliser la petite pipette qui est là. Et il va me piquer la couleur du fond. Et donc, j'ai les couleurs exactes. Ce qui fait que j'ai modifié. Et donc, après, j'ai plus qu'à effacer. Pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai appuyé sur remplissage en dégradé.
Donc, j'ai plus qu'à. Bon, il faut que je remette la couleur que j'avais mis de fond, voilà. Et j'ai plus qu'à effacer. Hop. Et quand je vais effacer, je vais faire réapparaître la valeur. Qui est cachée. Étonnant, non? Bon, tant pis. Ah, très important. Très, 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 très important. Décrivez-moi cette image. Je pourrais prendre des notes sur le côté de ce que vous me dites, mais là, je ne vais pas le faire. C'est une forêt. Forêt. Des fougères. Fougères. La mousse. La brume. Mousse. La brume. La brume. Oui. Tout ce que vous voyez dans l'image. La lumière. Lumière, oui, il y a de la lumière. Des feuilles mortes. Feuilles mortes. Des racines. Des racines, oui. Des lianes. Des lianes. Luxuriant. Luxuriant, oui. Pourquoi être la jungle. La jungle. Je suis d'accord. Vert. Vert. Et si je vous dis koala, paresseux, panthère, singe. Non, moi je vois foison. Ouais, froid, pas chaud. À gauche, là. Va montrer. Ah oui, ça y est, maintenant je vois la panthère devant. Bien. Oui, ici, tout à fait. D'accord. Un espèce de toucan, ouais. Donc, oui, là, ici, il y en a un. Ah oui, puis une espèce de facochère, je sais pas quoi aussi. Truc, voilà. Après, on peut devenir paranoïaque, il va voir les trucs qu'il n'y a pas après. Là, il y a le paresseux ici, là, sur sa branche, etc. Ah, il y a un serpent, enfin, il y a différentes bestioles. Le but, c'est pas tout se retrouver. Alors, pourquoi je vous ai montré cette image? Parce que vous, enseignants, vous avez dans la tête ce qu'il y a sur l'image. Eux, élèves, ça nouveau vous là, vous n'avez pas ça dans la tête. Donc, si vous ne laissez pas l'image assez longtemps, si vous ne laissez pas laisser parler sur l'image, les élèves, ils auront leur représentation initiale de l'image, c'est-à-dire jungle, forêt, arbre, etc. Et tant que je n'ai pas attiré votre attention sur le fait qu'il pouvait y avoir des animaux, vous ne les avez pas vus. Hein? Donc, vous auriez pu les voir. Des fois, il y a des groupes qui les voient plus facilement que d'autres. Hein? Mais là, vous ne l'avez pas vu au départ. Donc, l'élève, vous leur montrez une photo de Napoléon. Il n'a pas compris qui c'est Napoléon, ce que c'est. Ben, pour lui, c'est rien, c'est un bonhomme sur un cheval. Quoi. Hein? Il traverse le Saint-Bernard, oui, d'accord. Mais pour lui, ça ne représente rien parce qu'il n'a pas compris qui c'était ce personnage. Il croit que c'est un bonhomme à cheval. Quoi. Enfin, voilà, c'est tout. Il croit que c'est un roi ou autre. Enfin. Donc, il faut laisser suffisamment de temps l'image pour que les élèves aient le temps de voir ce qu'il y a à voir dedans. Si vous avez choisi une image, il vaut mieux la laisser 5 minutes que d'afficher 45 images dans une heure, quoi. Parce que c'est tellement facile de mettre des images que le danger au départ, c'est de mettre trop d'images. En plus, en général, on met l'image avec une légende à côté, ce qui fait que l'élève lit la légende et ne regarde plus l'image, ou a du mal à lire la légende et ne regarde plus rien, dans ce cas-là. Hein? Alors que là... Cette image, elle vient du WWF, c'est la campagne anti-déforestation. Ça montre que quand on coupe des arbres, on ne se rend pas compte, mais on tue la faune qui va avec aussi. Voilà. Donc, j'ai quand même utilisé un outil que je vais vous présenter pour faire ça, c'est le stylo magique, hein, qui permet, quand on fait un cercle, de faire une ellipse, par exemple, je vais l'utiliser là. Et donc cette ellipse, on peut la déplacer dans la page, on peut l'agrandir ou la rétrécir au centre de l'image. Hein? Donc on peut aussi naviguer dans une image pour attirer l'attention sélectivement sur chaque partie de l'image. Je la fais disparaître avec la petite croix. Si je trace un rectangle, ça me fait une loupe. Je peux agrandir la loupe, le niveau de zoom, en allant vers la droite ou vers la gauche dessus, et je la déplace dans mon image comme je veux. Voilà. Et la dernière fonction que je n'ai pas utilisée, c'est une fonction de tracé. Par exemple, il y a un petit bonhomme là-haut. Je monte avec la flèche là. On voit le petit bonhomme en haut de l'arbre, vous voyez là. Le petit ours, je ne sais pas pourquoi. Et donc cette flèche a disparu au bout d'un certain nombre de secondes. Ce temps est programmable. Entre 1 et 10 secondes. Alors il y a des enseignants vicieux qui vérifient si les élèves regardent. Ils font ça. Et puis, l'élève qui n'est pas attentif. Alors, le trait que je vous ai tracé, ça vous montre ce que vous devez... Quel trait?
presse. Voilà. Où est-ce qu'il se règle le temps? Alors, il se règle dans les propriétés de l'objet. Hein. Donc, quand tu as sélectionné le stylo magique, il est dans la barre d'outils, il est ici. Tu choisis le stylo, effet de remplissage. Donc là, c'est la durée en secondes. Voilà, entre 2 et 12 secondes. Ah, oui, on était dans les réflexions, là, donc, au sujet de réflexion. Je vous laisse réfléchir. Les grenouilles ne se reflètent pas dans l'eau, je vous fais remarquer. Alors ? Il y a une asymétrie. Qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, on peut imaginer que toutes les vertes doivent aller sur la droite, par exemple. Voilà, et toutes les marrons aller sur la gauche, exactement. Voilà, donc, il faut arriver à les faire passer. Et si on se trompe, on bloque et on ne peut plus faire. Si on fait une erreur, on ne peut plus avancer. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à se mettre d'accord sur comment il faut faire hein, pour marcher. Là, j'ai bloqué le truc, je ne peux plus jouer. Bah, là, je peux plus. Pourquoi celle-ci peut pas sauter, là ? Je peux faire ça, mais après... Dès qu'il y en a deux de la même couleur. Et après, là, je ne peux plus sauter. Ils ne sautent pas à quatre. Ils ne savent pas combien ils peuvent sauter. Ils peuvent sauter qu'une à la fois. Donc, ça, on peut l'expérimenter. Justement, c'est l'expérimentation, c'est le sauter. Donc, là, c'est un petit fichier flash tout fait qui existe. Hein, donc, il est possible. Je suis mis la solution. Hein, d'accord. Il y a deux solutions, parce qu'on peut commencer par une verte ou une marron. Hein. Vous voyez, encore un truc que j'ai caché sur le côté. Des fois, ça peut être utile pour vous de mettre ce genre de documentation. Quand vous utilisez l'année d'après, un fichier un petit peu complexe que vous avez utilisé, pour vous rappeler, vous ne montrez pas aux élèves, vous savez que vous avez mis une petite tête là-dessus. Quoi. C'est vos petites penses bêtes. Alors après, ces grenouilles, là, je les ai fait simplement avec des dessins. L'avantage, c'est que je peux faire comme je veux. Je peux revenir en arrière, ce que je ne pouvais pas faire avec l'image précédente. D'accord ? Donc en les détourant, comme on a vu au début. Voilà, je les ai détourés et je les ai mis sur un fond quelconque, un fond d'image quelconque, que j'ai rendu flou, mais bon, voilà. Après, le fond, on s'en moque un petit peu. On peut simplifier encore. Mm-hmm. Et puis, à la limite, on peut encore simplifier. D'accord ? C'est la même activité. C'est plus des grenouilles qui sautent, mais c'est la même activité. Et pour les élèves qui ont des difficultés, là, c'est une photo, je peux le faire avec des jetons et en l'adaptant. Je veux dire, on a tous les niveaux, c'est pas parce qu'on a le tableau qu'on va plus utiliser les manipulations ou autre, quoi. Donc les enfants peuvent peut-être le faire, mais pour définir l'algorithme qui va permettre de répondre, peut-être qu'au moment où ils vont le présenter au tableau, mais ils l'auront peut-être défini d'abord sur, avec des jetons, par exemple. Ou je lance l'activité avec l'application à 5 mois. Et cette activité avec les grenouilles, je l'ai même fait à distance, avec des correspondants à distance, c'est-à-dire des petits défis comme ça, c'était des défis qu'on s'était lancés à distance. Et on peut faire aussi des élèves robots, c'est-à-dire, par exemple en anglais, on dit à un élève, this one, etc. Enfin, on explique, the green, enfin, ça fait marcher le vocabulaire. Et il y a l'élève qui est le robot, il doit faire ce qu'on lui demande. Donc, si c'est pas bien demandé, il fait rien. Et si c'est bien demandé, il le fait. Et si c'est mal expliqué, ben, il fera ce qu'on a demandé, et ça sera peut-être une bêtise. Donc, ça permet de faire participer plusieurs élèves, hein, 5 ou 6, quoi, plutôt qu'un seul qui va manipuler.